Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retro Jeu. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo achat. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo achat. Et bien là je reviens de vacances d'Angleterre et j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire les magasins de jeux vidéo d'occasion pour voir s'ils avaient des bonnes affaires. Et effectivement, en Angleterre, on peut trouver des bonnes affaires. J'ai acheté exactement 3 jeux, 3 jeux qui faisaient partie de ma wishlist pour ma collection. Ma wishlist, ce sont des jeux en fait que j'ai pu connaître ou que je n'ai pas connu, mais que je veux absolument posséder dans ma collection. Il y a par exemple les Final Fantasy, les Fire Emblem, les Sonic, les Mario, etc. Tout ça, ça fait partie des choses que je veux avoir dans ma collection. Et ces 3 jeux en faisaient partie. Je suis allé dans le sud de l'Angleterre. Malheureusement, j'ai eu le temps de faire un seul magasin cash. Il s'agit de CEX de Southampton, donc dans le sud de l'Angleterre. J'ai pu faire quelques petits achats. Donc, je vous présente les 3 jeux que j'ai pu acheter. Le premier jeu que j'ai acheté pour la somme de 10 livres. Donc, je rappelle, 10 livres, ça fait à peu près 11-12 euros. Le Sonic 3D sur Mega Drive. Un épisode, celui-ci, dont je parlais juste avant, que je n'ai pas connu. Étant plus jeune, je n'ai pas connu ce jeu. Il s'agit d'un épisode en 3D isométrique. Je pense qu'il est sorti aussi sur Mega CD, il me semble. Il doit être en peut-être bien meilleure qualité sur Mega CD. Mais vraiment très content. Ça faisait partie, celui-ci, de ma wishlist de Sonic. Je possède sur Mega Drive le Sonic 1, le Sonic 2, le Sonic Spinball. Il me manquait l'épisode 3D. Et bien sûr, vous avez aussi vu qu'il me manquait le Sonic 3, et bien voilà, le Sonic 3, j'ai pu l'acheter pour la somme. Alors, c'est pas 18 livres, je vous montrerai le ticket de caisse en fin de vidéo, mais j'ai payé 15 livres. En fait, il m'a fait payer 15 livres parce qu'il a marqué que le livret était un peu corné. Mis à part ça, il est vraiment en excellent état. La boîte est juste en excellent état. Elle contient aussi les languettes. On n'a pas toujours les languettes sur Mega Drive. Donc là, vous pouvez voir que sur les 2 jeux Mega Drive que j'ai pu acheter, il y avait les languettes. Donc le Sonic 3, c'est pour moi le meilleur épisode qu'on a sur Mega Drive. Et moi, j'ai un grand souvenir en fait des niveaux bonus dans lequel en fait on marche sur une sorte de planète, on va dire ronde, et on doit ramasser en fait tous les anneaux. Vraiment un épisode que j'ai vraiment hâte de refaire, celui-ci. Le Sonic 3 maintenant fait partie de ma collection Mega Drive. Je vous dis tout de suite pourquoi je suis parti sur du Sega. C'est tout simplement, en fait, parce que les jeux sont multilingues à l'arrière. Donc un jeu que vous allez acheter en Angleterre sur Mega Drive sera en général le même jeu que vous avez en France. Mis à part certains jeux qu'on peut retrouver comme par exemple celui-ci, le Soleil. Donc Soleil est celui-ci intégralement en français. Mais pour tout ce qui est autre jeu, les jeux de la firme Sega, eh bien, vous avez des jeux multilingues. Voilà pourquoi je suis parti sur des achats Sega et non pas des achats Nintendo, parce qu'en général, les achats Nintendo sont beaucoup plus ciblés au niveau des territoires. C'est-à-dire que si j'aurais voulu acheter un jeu Super Nintendo, je prends par exemple celui-ci, le Dragon Ball Z Hyper Dimension, eh bien, celui-ci est uniquement écrit en français à l'arrière. Ou alors, on a certains jeux, on a pas mal de jeux Super Nintendo qui sont disponibles, donc au niveau des boîtes, en français et en néerlandais. Donc voilà pourquoi je suis parti sur des achats Sega. Et vraiment, donc les 3 achats que j'ai pu faire font partie de ma wishlist. Et le dernier achat que j'ai pu faire, c'est le Shenmue. Alors le Shenmue, quand je l'ai vu dans la vitrine, c'est ce qui m'a fait acheter les jeux Sega. 30 livres, donc 30 livres, ça fait je pense environ 36 euros. Je trouvais que c'était un bon prix, je le possédais pas dans ma collection et en plus il y a le petit fourreau, même s'il n'est pas en super bêta, il y a le fourreau, il y a les 2 boîtiers et comme vous pouvez le voir donc à l'arrière aussi, le jeu est aussi multilingue, donc c'est le même jeu qu'on a en France, en Angleterre, en Allemagne et en Espagne. Voilà pourquoi je suis parti sur l'achat de ce jeu. Il contient toutes ces notices. Donc vous pouvez voir, les CD sont vraiment en excellent état. Donc mes 3 petits achats. Shenmue sur Dreamcast. Je sais qu'il y a l'épisode en HD qui est sorti sur PS4 récemment. Je me l'achèterai peut-être. Si peut-être je le trouve sous envie de grenier. Si je le trouve d'occasion. Mais
je voulais absolument posséder le Shenmue sur Dreamcast. D'ailleurs, si vous possédez le Shenmue 2 et que vous l'avez à l'échange, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Je serai très heureux de faire un échange avec vous. Donc voilà mes trois petits achats que j'ai pu effectuer en Angleterre. J'ai aussi eu l'occasion de faire un vide-grenier en Angleterre. Ça s'appelle Car Boot Sale. Donc car comme voiture, boot, B-O-O-T et sale comme les soldes. Mais en fait, je suis arrivé à 11h30 et ils étaient en train de remballer. Ça terminait à midi. J'ai pu voir quelques jeux Xbox qui traînaient. Mais rien de très folichon. Je suis tombé dessus par hasard. Et j'aurais dû en fait prévoir une journée vide-grenier en Angleterre. Je ne l'ai pas fait malheureusement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous aimez mes vidéos achats, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si jamais vous aimez mes vidéos en général que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao, ciao.